Nous sommes vraiment désolés pour ce retard. Les tapings devaient vous parvenir 2 ou 3 jours après la graine et les 2 ou 3 jours se sont prolongés. Donc, désolé. Mais le voilà ce tapis. Parmi les glandes endocrines qui se trouvent dans notre cerveau, 4 d'entre elles jouent un rôle important sur l'ensemble de notre système nerveux et évidemment du cerveau. Ces glandes sont l'amygdale, le cortex préfrontal, l'aire cingulaire antérieure et le nucléus accumbens. Nous vous proposons 5 tappings assez courts. Le premier sera axé sur l'amygdale, le second sur le cortex préfrontal, le troisième sur l'aire cingulaire antérieure, le quatrième sur le nucléus accumbens et le cinquième sur le fonctionnement harmonieux du cerveau dans son ensemble. Alors, vous pourrez faire ces tappings soit dans la foulée, ils sont tout de même assez courts, ou bien les faire séparément à votre rythme. Commençons par l'amygdale, qui est en lien étroit avec nos 3 premiers chakras. Cette glande a pour fonction de décoder toutes nos émotions, de repérer tous les stimuli menaçants dans notre organisme. En mode hyper, cette glande va générer des réponses exagérées et provoquer, à la moindre alerte, colère, mensonge réflexe, anxiété intense, peur panique. Alors voici un protocole EFT pour l'amygdale. Sur votre point karaté, même si j'ai souvent autorisé les énergies d'anticonscience de peur à diriger ma vie, Même si j'ai souvent autorisé les énergies de anticonscience de peur à diriger ma vie, je sais bien qu'elles ont généré en moi des réponses exagérées. je sais bien qu'ils sont générés en moi des réponses exagérées. Je m'accepte complètement et profondément tel que je suis. Je m'accepte complètement et profondément tel que je suis. Toujours sur le point karaté, même si je sais que toutes ces énergies d'anticonscience Même si je sais que toutes ces énergies d'anticonscience ont souvent déréglé le fonctionnement de mon amygdale, ont souvent déréglé le fonctionnement de mon amygdale, je choisis de me pardonner je choisis de me pardonner et de m'aimer profondément tel que je suis aujourd'hui. et de m'aimer profondément tel que je suis aujourd'hui. Même si toutes ces énergies d'anticonscience Même si toutes ces énergies d'anticonscience ont généré en moi beaucoup de colère, ont généré en moi beaucoup de colère, d'anxiété d'anxiété et des moments de panique, et de moments de panique, je choisis de m'accepter complètement, profondément, tel que j'ai été. je choisis de m'accepter complètement, profondément, tel que j'ai été. Et tel que je suis aujourd'hui. Et tel que je suis aujourd'hui. On entre dans la ronde, début du sourcil. Aujourd'hui, je peux et je choisis Aujourd'hui, je peux et je choisis de transmuter toutes ces énergies générées par mes peurs. De transmuter toutes ces énergies générées par mes peurs. Le tapping aide à cette transmutation. Le tapping aide à cette transmutation. Coin de l'œil. Je les transmute à travers chacun des centres de mon corps antenne. Je les transmute à travers chacun des centres de mon corps antenne. Sous l'œil.
Ces réponses exagérées n'ont plus lieu d'être. Ces réponses exagérées n'ont plus lieu d'être. Elles m'empêchent d'évoluer autrement. Elles m'empêchent d'évoluer autrement. Sous le nez, toutes les énergies d'anticonscience qui ont été utiles. Toutes les énergies d'anticonscience qui ont été utiles. À la survie de mes ancêtres. À la survie de mes ancêtres. Je choisis aujourd'hui. J'ai choisi aujourd'hui. De les lâcher en les transmutant. De les lâcher en les transmutant. À travers tous mes centres. À travers tous mes centres. Clavicule. Dans cette période particulière. Dans cette période particulière. De changement dans le monde entier. De changement dans le monde entier. Toutes les énergies d'anticonscience sont activées. Toutes les énergies d'anticonscience sont activées. Menton. Elles circulent et font que mon amygdale. Elles circulent et font que mon amygdale. Est souvent en alerte aiguë malgré moi. Est souvent en alerte aiguë malgré moi. Sous le sein. Ces énergies d'anticonscience, je choisis de les transmuter. Ces énergies d'anticonscience, je choisis de les transmuter. En conscience. En conscience. Je choisis de rester calme et centré. Je choisis de rester calme et centré. Sous le bras. Mon amygdale peut faire la différence. Mon amygdale peut faire la différence. Entre un danger réel. Entre un danger réel et une fausse alerte. Et une fausse alerte. Au-delà de la tête, j'ai beaucoup de gratitude pour mon amygdale. J'ai beaucoup de gratitude pour mon amygdale. Qui sait s'adapter aux exigences de mon temps. Qui sait s'adapter aux exigences de mon temps. Aujourd'hui, j'ai une gratitude infinie pour mon amygdale. Aujourd'hui, j'ai une gratitude infinie pour mon amygdale. Elle a été témoin de la survie de l'humanité. Elle a été témoin de la survie de l'humanité. Mais le temps a passé. Le temps a passé. Et je choisis de cultiver toutes les énergies de conscience. Et j'ai choisi de cultiver toutes les énergies de conscience. Qui me permettent désormais. Qui me permettent désormais. D'évoluer dans mon propre espace-temps. D'évoluer dans mon propre espace-temps. Je fais confiance à mon amygdale. Je fais confiance à mon amygdale. Elle saura m'alerter en cas de réel danger. Elle saura m'alerter en cas de réel danger. Le monde est un bel endroit. Le monde est un bel endroit. Où l'on peut vivre en toute sécurité. Où l'on peut vivre en toute sécurité. Je choisis maintenant de m'ouvrir. Je choisis maintenant de m'ouvrir. À la possibilité d'être en paix. À la possibilité d'être en paix. Calme. Calme et sereine. Et sereine. Le cortex préfrontal joue un rôle important dans la motivation et la planification de nos actions. Lorsqu'il est paresseux, il peut en particulier favoriser la procrastination, des comportements compulsifs, par exemple trop manger, faire des dépenses excessives, et susciter en nous le besoin de brèves rencontres sexuelles. Voici un protocole EFT pour équilibrer le cortex préfrontal. Sur le point karaté. Même si consciemment ou inconsciemment. Même si consciemment ou inconsciemment. J'ai souvent accueilli en moi les énergies d'anticonscience. J'ai souvent accueilli en moi les énergies d'anticonscience. Qui m'ont empêché de prendre des décisions justes pour moi. Qui m'ont empêché de prendre des décisions justes pour moi. Je me pardonne. Je me pardonne. Je m'accepte. Je m'accepte. Et je m'aime tel que je suis aujourd'hui. Et je m'aime tel que je suis aujourd'hui. Toujours sur le point karaté, même si toutes les énergies d'anticonscience. Même si toutes les énergies d'anticonscience. En lien avec mon flemmard de cortex préfrontal. En lien avec mon flemmard de cortex préfrontal.
cortex préfrontal. M'ont valu de vivre une existence relativement décevante. M'ont valu de vivre une existence relativement décevante. J'accepte cette réalité, je me pardonne. J'accepte cette réalité et je me pardonne. Même s'il m'arrive encore d'accueillir en moi. Même s'il m'arrive encore d'accueillir en moi. Des énergies d'anticonscience. Des énergies d'anticonscience. Et que mon cortex préfrontal en subit les conséquences. Et que mon cortex préfrontal en subit les conséquences. J'envoie à cette partie de mon cerveau. J'envoie à cette partie de mon cerveau. Tout mon pardon. Tout mon pardon. Et surtout tout mon amour. Et surtout tout mon amour. Nous allons entrer dans la ronde. Début du sourcil. J'autorise aujourd'hui mon cortex préfrontal. J'autorise aujourd'hui mon cortex préfrontal à devenir mature. À devenir mature. Et à prendre la place du conducteur dans le véhicule de ma vie. Et à prendre la place du conducteur dans le véhicule de ma vie. Coin de l'œil. Pour que cela soit possible. Pour que cela soit possible. Je transmute à travers tous mes centres. Je transmute à travers tous mes centres. Les pensées de basse fréquence. Les pensées de basse fréquence. Qui affectent mon cortex préfrontal. Qui affectent mon cortex préfrontal. Sous l'œil. Aujourd'hui, je sais comment honorer et bénir mon cortex préfrontal. Aujourd'hui, je sais comment honorer et bénir mon cortex préfrontal. Sous le nez, j'active en moi toutes les énergies de conscience. J'active en moi toutes les énergies de conscience qui me permettent d'accéder. Qui me permet d'y accéder à mon cerveau. À mon cerveau. D'y accélérer la circulation sanguine. D'y accélérer la circulation sanguine. Afin de le rendre moins paresseux. Afin de le rendre moins paresseux. Menton. Mon cortex préfrontal. Mon cortex préfrontal. Est mon serviteur et mon allié. Et mon serviteur et mon allié. Clavicule. Mon cortex préfrontal. Mon cortex préfrontal est parfaitement irrigué. Est parfaitement irrigué. Il peut fonctionner de manière optimale. Il peut fonctionner de manière optimale. Sous le sein, je peux en toute sécurité porter mon attention sur le futur. Je peux en toute sécurité porter mon attention sur le futur. Sous le bras, je poursuis mon chemin facilement. Je poursuis mon chemin facilement. Grâce à mes décisions fécondes. Grâce à mes décisions fécondes. Haut de tête, mon cortex préfrontal. Mon cortex préfrontal. Baigne dans une énergie de guérison et de gratitude. Baigne dans une énergie de guérison et de gratitude. J'élabore de nouveaux projets que je réalise en pleine conscience. J'élabore de nouveaux projets que j'élabore en pleine conscience. Libre de toute addiction. Libre de toute addiction. Je me prépare un futur heureux. Je prépare un futur heureux. Plein de joie et d'abondance. Plein de joie et d'abondance. C'est ce que je projette consciemment aujourd'hui. Ce que je projette consciemment aujourd'hui. Dans le champ unifié de tous les possibles. Dans le champ unifié de tous les possibles. Passons maintenant à l'aire singulaire antérieure qui est responsable de la transmission des informations entre les deux hémisphères du cerveau. Un dysfonctionnement de cette transmission peut engendrer un besoin de reconnaissance immédiate. Alors voici un protocole pour équilibrer l'aire singulaire antérieure. Sur le point karaté, même si des énergies d'anticonscience activent mon aire singulière
antérieure. Même si les énergies d'anticonscience activent mon aire singulaire antérieure, Freinant la communication entre les deux hémisphères de mon cerveau, freinant la communication entre les deux hémisphères de mon cerveau, je m'accepte complètement et profondément tel que je suis aujourd'hui. Je m'accepte complètement et profondément tel que je suis aujourd'hui. Même si ces énergies d'anticonscience me poussent à rester figé, même si ces énergies d'anticonscience me poussent à rester figé dans des comportements, stéréotypés, dans des comportements stéréotypés, je m'accepte tel que je suis aujourd'hui. Je m'accepte tel que je suis aujourd'hui, sans me juger. Sans me juger. Même si mon aire singulière antérieure, même si mon aire singulière antérieure ne fonctionne pas de manière optimale aujourd'hui, ne fonctionne pas de manière optimale aujourd'hui, je l'aime et je m'aime. Je l'aime et je m'aime. Totalement et profondément. Totalement et profondément. Tel que je suis. Tel que je suis. Nous allons entrer dans la ronde, début du sourcil. Aujourd'hui, par la force de mon intention. Aujourd'hui, par la force de mon intention. Et en tapotant sur certains points de mon corps physique. Et en tapotant en certains points de mon corps physique. Je peux transmuter toutes les énergies d'anticonscience. Je peux transmuter toutes les énergies d'anticonscience. Qui perturbent cette partie de mon cerveau. Qui perturbent cette partie de mon cerveau. Coin de l'œil. Tous les traumas émotionnels mal vécus dans mon passé. Toutes les traumas émotionnels mal vécus dans mon passé. Qui empêchent mon aire singulière antérieure. Qui empêche mon aire singulière antérieure de fonctionner parfaitement. De fonctionner parfaitement. Je peux les déprogrammer. Je peux les déprogrammer. Sous l'œil. Même si je porte en moi la peur qu'un danger surgisse à nouveau. Même si je porte en moi la peur qu'un danger surgisse à nouveau. Je choisis d'être confiant. Je choisis d'être confiant. Et je transmute à travers tous mes centres. Et je transmute à travers tous mes centres. Toutes ces énergies d'anticonscience. Toutes ces énergies d'anticonscience. Qui en sont la cause. Qui en sont la cause. Sous le nez. Lorsque je sens en moi un besoin vital de reconnaissance immédiate. Lorsque je sens en moi un besoin vital de reconnaissance immédiate. Je peux choisir de le déprogrammer. Je peux choisir de le déprogrammer. Menton. J'autorise ainsi mes énergies de conscience. J'autorise ainsi mes énergies de conscience. À faire évoluer cette partie de mon cerveau. À faire évoluer cette partie de mon cerveau. Vers un fonctionnement adapté. Vers un fonctionnement adapté. Au monde d'aujourd'hui. Au monde d'aujourd'hui. Clavicule. Aujourd'hui, je peux éveiller de nouvelles voies neuronales. Aujourd'hui, je peux éveiller de nouvelles voies neuronales. Dans cette partie de mon cerveau. Dans cette partie de mon cerveau. Sous le sein. Mon intention aujourd'hui. Mon intention aujourd'hui. Est de libérer et de lâcher. Et de libérer et de lâcher mon besoin de satisfaction immédiate qui ne me sert plus. Mon besoin de satisfaction immédiate qui ne me sert plus. Sous le bras, je m'ouvre à la possibilité. Je m'ouvre à la possibilité que la communication entre les deux hémisphères de mon cerveau. Que la communication entre les deux hémisphères de mon cerveau soit parfaitement rétablie. Soit parfaitement rétabli. Haut de tête. Cette partie de mon cerveau. Cette partie de mon cerveau. Fonctionne de façon optimale. Fonctionne de façon optimale. Avec les exigences du monde actuel. Avec les exigences du monde actuel. Aujourd'hui, je libère. Aujourd'hui, je libère.
et je lâche mon besoin de satisfaction immédiate qui ne me sert plus. Et je lâche mon besoin de satisfaction immédiate qui ne me sert plus. Je ne suis plus en danger. Je ne suis plus en danger. Je ressens maintenant. Je ressens maintenant. Que les satisfactions futures. Que les satisfactions futures. Sont déjà plus gratifiantes. Sont déjà plus gratifiantes. Que les plaisirs immédiats éphémères. Que les plaisirs immédiats éphémères. Mon cerveau peut enfin se mettre en harmonie avec mes buts. Mon cerveau peut enfin mettre en harmonie avec mes buts. Le nucléus accumbens se trouve dans le cerveau archaïque. Cette région cérébrale implique le circuit de la récompense et de la dépendance à toute forme de drogue. Lorsqu'il y a dysfonctionnement dans le cerveau, le nucléus accumbens joue un rôle important dans l'installation progressive de dépendance, plus ou moins grave. Ce peut être une dépendance à des substances, à un travail forcené, mais aussi à des jeux vidéo, au surf sur mon internet, au sexe aussi, au shopping quand tout va mal. C'est le centre du plaisir qui va alors diriger notre vie et nous rendre esclaves en nous empêchant de construire un futur heureux. Comme nous ne voulons pas cela, n'est-ce pas? Voici un protocole pour harmoniser le nucléus accumbens. Sur le point karaté, même si toutes les énergies d'accoutumance à, et vous nommez vos dépendances, m'empêchent de diriger ma vie, même si toutes les énergies d'accoutumance à, et j'en passe, m'empêchent de digérer ma vie, diriger ma vie. Ah, diriger ma vie, c'est difficile à dire. J'accepte cette réalité. J'accepte cette réalité. Et je m'accepte totalement et profondément. Et je m'accepte totalement et profondément. Tel que je suis aujourd'hui. Tel que je suis aujourd'hui. Même si je porte en moi ces énergies d'anticonscience. Même si je porte en moi ces énergies d'anticonscience. Liées au plaisir de reconnaissance. Liées au plaisir de reconnaissance. Et de dépendance. Et de dépendance. Que je vis comme un impératif de survie. Que je vis comme un impératif de survie. Je choisis de m'accepter tel que je suis aujourd'hui. Je choisis de m'accepter tel que je suis aujourd'hui. Sans me juger. Sans me juger. Même si pendant des années, même si pendant des années, j'ai vécu la dépendance au plaisir, j'ai vécu la dépendance au plaisir, tout en craignant de devenir esclave, tout en craignant d'en devenir esclave, je choisis de m'accepter tel que je suis aujourd'hui, je choisis de m'accepter tel que je suis aujourd'hui, vers un chemin de libération en conscience, vers un chemin de libération en conscience. Début du sourcil. En tapotant sur mes points d'acupuncture. En tapotant sur mes points d'acupuncture. J'envoie des messages à cette partie de mon cerveau. J'envoie les messages à cette partie de mon cerveau. Coin de l'œil. J'informe mon cerveau physique et mes corps subtils. J'informe mon cerveau physique et mes corps subtils. Que mon désir est de transmuter toutes les énergies d'anticonscience. Que mon désir est de transmuter toutes les énergies d'anticonscience. Qui me piègent encore. Qui me piègent encore. Dans ce mode de fonctionnement. Dans ce mode de fonctionnement. De survie. De survie. Sous l'œil. Je choisis immédiatement. Je choisis immédiatement. D'évoluer autrement dans le monde complexe qui est le nôtre aujourd'hui. D'évoluer
autrement dans le monde complexe, ce qui est le nôtre aujourd'hui. Sous le nez. Je choisis de participer à un futur nouveau dans lequel ce modèle sera caduque. J'ai choisi de participer à un futur nouveau dans lequel ce modèle sera caduque. Menton. Aujourd'hui, je m'ouvre à la possibilité de me libérer. Aujourd'hui, je m'ouvre à la possibilité de me libérer. Totalement. Totalement. De mes énergies d'anticonscience. De mes énergies d'anticonscience. Qui me pousse à me shooter à la colère. Qui me pousse à la shooter à la colère. Clavicule. Au besoin de dramatiser. Au besoin de dramatiser. Au rapport de force. Au rapport de force. Au besoin de combler mes manques. Au besoin de combler mes manques. En me remplissant de tout ce qui est toxique. Remplissant de tout ce qui est toxique pour mes corps subtils, pour mes corps subtils et pour mon corps physique, et pour mon corps physique. Sous le sein, alcool, alcool, nourriture, nourriture, tabac, tabac. Je choisis progressivement, j'ai choisi progressivement de profiter de la vie. Profiter de la vie sans cet esclavage. Sans cet esclavage. Sous le bras. On peut se faire plaisir sans se détruire. On peut se faire plaisir sans se détruire. À chacun de mes progrès. À chacun de mes progrès. Mon nucléus accumbens. Mon nucléus accumbens. Se détend. Se détend. Et mes neurones en folie se calment. Et mes neurones en folie se calment. Au-dessus de la tête. Gratitude infinie. Gratitude infinie. Pour mon nucléus accumbens. Pour mon nucléus accumbens. Qui sait adoucir ma vie. Qui sait adoucir ma vie. En me donnant le doux sens du plaisir. En me donnant le doux sens du plaisir. J'accepte de lâcher ce besoin de gratification immédiate. J'accepte de lâcher ce besoin de gratification immédiate. Afin de ressentir. Afin de ressentir. Là. Dans le moment présent. Là, dans le moment présent. Le bonheur de conduire. Le bonheur de conduire. En toute conscience. En toute conscience. Mon véhicule de vie. Mon véhicule de vie. Qui est mon corps. Qui est mon corps. Mon nucléus accumbens. Mon nucléus accumbens. Est mon ami. Est mon ami. Et nous œuvrons ensemble. Et nous œuvrons ensemble. Pour me créer une vie paisible et sereine. Pour me créer une vie paisible et sereine. Voici maintenant un très court tapping pour le fonctionnement global du cerveau. En tapotant sur le thymus ou au-dessus de la tête. Mon cerveau est en harmonie avec la personne que je suis aujourd'hui. Mon cerveau est en harmonie avec la personne que je suis aujourd'hui. Quel que soit l'état du monde dans lequel je vis aujourd'hui. Quel que soit l'état du monde dans lequel je vis aujourd'hui. Mon cerveau est en harmonie. Est en harmonie. Avec les exigences de mon époque. Avec les exigences de mon époque. Dans ma vision du futur. Dans ma vision du futur. Je suis la personne la plus fiable. Je suis la personne la plus fiable. Et la plus extraordinaire que je connaisse. Et la plus extraordinaire que je connaisse. Tout le monde peut compter sur moi. Tout le monde peut compter sur moi. Pour un mode de vie sain. Pour un mode de vie sain. J'ai un sens profond du parfait équilibre. J'ai un sens profond du parfait équilibre. Dans tous les domaines de ma vie. Dans tous les domaines de ma vie. Je sors de la routine. Je sors de la routine. En prenant continuellement. En prenant continuellement de nouvelles initiatives. De nouvelles initiatives. J'exprime de plus en plus. J'exprime de plus en plus. Ma tendresse à mes proches.
ma tendresse à mes proches. Et je sors du jugement et de la critique. Et je sors du jugement et de la critique. J'exprime ma gratitude infinie. J'exprime ma gratitude infinie. Pour tout ce que la vie m'offre chaque jour. Pour tout ce qui m'offre chaque jour. Pour tous les choix que je fais à chaque instant. Pour tous les choix que je fais à chaque instant. Gratitude à la vie qui œuvre en moi. Gratitude à la vie qui œuvre en moi. Et à travers moi. Et à travers moi. J'accueille. J'accueille. Avec joie. Avec joie. Avec gratitude. Avec gratitude. Avec enthousiasme. Avec enthousiasme. Tout ce qui arrive dans mon existence. Tout ce qui arrive dans mon existence. Puisque je sais. Parce que je sais. Que tout est juste. Tout est juste.